comment obtenir la certification du data center et quelles sont les différentes étapes. C'est à cet exposé qu'ont eu droit ce vendredi 26 janvier 2018 les membres du DSI Club au siège de l'association. Grâce à cette rencontre de donner et de recevoir, DSI Club offre à ses membres informaticiens les outils nécessaires pour participer à l'éclosion du numérique au Bénin. Nous, on fait du consulting, donc du niveau tactique vers le niveau opérationnel, tandis qu'eux, ils sont au niveau stratégique. Au niveau des opérateurs CAPES, comme les Telco, les fournisseurs d'accès Internet, on se positionne aussi, on est entre eux, puisque avec nos data centers, on héberge la plupart de leurs données, même en termes de concurrence. Et il y a trois étapes dans la certification de Tal Institute. En premier, la certification design. C'est ce qu'on fait sur les plans de conception ou les plans détaillés. C'est la première partie, c'est exclusivement sur plan, donc il n'y a pas de va-et-vient chez nous. C'est entre nos consultants et les consultants du bureau d'études. Ça prend entre 6 semaines et 3 mois pour être effectué sur un data center neuf ou en construction ou en voie de construction. Ensuite, il y a la certification des installations. Ça, c'est une fois que vous avez obtenu votre certification design, on vous envoie une liste de démonstrations à faire. Et 6 semaines après, une fois que vous êtes bien préparé, on envoie nos consultants sur site et ils font tout ce qui est switching au niveau cooling et électricité pour prouver que ce que vous avez de construit est opérable. Ça correspond bien à ce que vous avez eu sur les plans. Et voilà, il va y avoir des changements. Et ensuite, la troisième partie, c'est la certification des opérations. Ça se fait généralement 9 mois à 1 an après la réception du site. Et il faut une certaine préparation parce qu'il faut mettre les choses en place dès le design et puis mettre toutes les procédures en place pour que ça fonctionne bien sur la durée de vie du data center. Les participants sortent de la séance aguerris et pourront relayer les informations reçues auprès de leur manager. Signalons que le data center ou centre de données est une infrastructure composée d'ordinateurs et d'espaces de stockage utilisés par les entreprises pour organiser, traiter, stocker et entreposer de grandes quantités de données. C'est un meilleur moyen d'archivage numérique permettant d'éviter de traîner les dossiers papier. Seuls ceux qui disposent d'un certificat data center pourront participer à la construction de cette infrastructure.